Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez vraiment tous très très bien. Moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo très spéciale parce que je suis tombé par hasard. Donc voilà, c'est en allant sur YouTube, vous savez, sur la page d'accueil, il y a plusieurs suggestions, plusieurs vidéos qui apparaissent, donc des vidéos qui peuvent nous remémorer. Et j'ai retrouvé cette vidéo sur le match le plus long de l'histoire du rugby au monde. Vous vous souvenez, ce match entre le Pays de Galles et la France au Stade de France. Ce match a démarqué l'histoire du rugby, de ce sport. Parce que on se souvient tous de ce match où, qui a duré plus de 5 minutes de jeu. 5 minutes de jeu, voilà, Monsieur Barnes qui était à l'arbitrage. Et voilà, on se souvient de cette séquence, cette énorme séquence de l'équipe de France qui était à chaque fois à 5 mètres de la ligne du Pays de Galles. Et voilà, on se souvenait que M. Barnes n'avait pas envie de donner cet essai pénalité, il refaisait énormément de mêlées, beaucoup de pick and go. Et voilà, donc en allant sur YouTube, là, j'avais une des vidéos, voilà, c'est de remémorer ce moment qui a été fort quand même dans ce sport et dans le rugby français, parce que quand même tenir jusqu'à la 100e minute, ne pas lâcher, rester 5 mètres de la ligne adverse pendant plus de 12 minutes, voilà, une défense de fer du Pays de Galles, on a essayé de les mettre énormément dans la faute. Ça a été compliqué. Monsieur Barnes n'avait pas voulu, comme je lui ai dit, donner ses pénalités. Et comme on dit, à la fin, bien sûr, il a dû siffler, il a dû dire oui ou non, essayer ou pas. Et c'était Camicha qui l'avait marqué. Et voilà, à ce moment-là, le Pays de Galles menait 18-13 face à l'équipe de France. Et l'équipe de France, à la fin, a gagné 20-18. Donc voilà, je voulais vous laisser avec quelques moments forts, enfin le moment fort où ça a duré plus de 5 minutes de jeu. Je vous souhaite un très bon visionnage. C'est de son côté que ça se passe là, face à Rob Evans. Allez, oula, on est bien placé, les points de force, ça tourne. Dupont va la jouer avec Camille Lopez, c'est la balle de match pour Anna Kaitassi qui est pris haut par Rissoued qui essaie de contester ce ballon. Nouvel avantage en cours, il faut le jouer sur le renversement. Dupont l'a vu, Dupont qui navigue, qui essaie de se faire la malle, il est énorme. Dupont là dans ses derniers instants, il gagne les mètres qu'il faut. Chat servi par le Devedec. Moriarty avec une épaule qui défend. Non, don't go in there, Rob. Dupont là. Un peu de profondeur. Oh, la passe pour personne. Ficou. C'est pas terminé. C'est revenu sur ses appuis. Rafut Dupont. Et quelle fin de match épique. Dupont. Bourdon maintenant. Charge à l'épaule. Sentez de la fatigue déjà des joueurs. Vous sentez 91 minutes de jeu. On n'a pas voulu donner cet essai de pénalité. Il ne voulait pas. Ça c'était. Reproché, on pensait qu'il allait marquer Antoine Dupont. On pensait sur 99 minutes de jeu, c'est énorme. Le mental des deux équipes, enfin, écoutez, une attaque défense, c'est extraordinaire. Il est bon, Chat, il est explosif, il peut le faire. Chat pour l'équipe de France dans un trou de souris. Ah, là. Allez, les bleus, la ligne est là. Et là on avait eu peur, on savait pas s'il allait refaire une mêlée à 5 mètres ou pas, on savait pas. Ah là ça refait les frissons de suite. Si c'est Camicha ou pas. Ah, vous croyez que c'était facile, mais la pression, l'énorme pression, 5 minutes de jeu, on m'a connu, c'est 18-18. Et juste extraordinaire. 5 minutes de jeu. Ouais. 5 minutes de jeu, la France gagne 20-18. Et bravo encore à cette équipe pour ça.